Nous n'avons jamais pu détromper les animateurs quand nous chantions Soleil à la télé. Ils annoncent « Ah, Kassav, la fête, le soleil, le plaisir, une chanson tellement joyeuse !» Non, non, non. Soleil n'est pas une chanson joyeuse. Au contraire. La mer est mauvaise. La mer est mauvaise. La tempête se lève. Un an plus tard, je me lie d'amitié avec une professeure de piano américaine, Carly, qui poste des photos sur le même site que moi. Elle ne connaît pas le zouk et je lui envoie mon album en l'accompagnant des résumés de mes textes en anglais. Or, elle fait de la rééducation par la musique dans un hôpital accueillant des soldats amochés physiquement ou psychologiquement par la guerre. Un soldat blessé et traumatisé avec lequel les médecins n'obtiennent aucun progrès depuis des semaines lui est confié. Il reste muré dans le silence, totalement immobile. Elle lui fait écouter mon disque à tout hasard, tout en lui livrant les indications, les explications que je vais lui envoyer. Et le jeune homme commence à battre un peu la mesure. Arrivée à l'emmener mauvais, elle lui explique le sens de la chanson et une larme coule de ses yeux. Elle a trouvé le moyen de communiquer avec lui. Elle sait qu'ils pourront enfin progresser dans sa thérapie. Elle lui offre mon album, alors qu'il part en week-end avec ses parents. Je lui renvoie un autre, quelques années plus tard. Mon amie m'écrit pour me dire qu'elle a eu des nouvelles de ce soldat. Il a fini par retrouver le goût de la vie et s'est marié. Il a appelé sa fille Jocelyne.